Bon, je suis désolée de le dire parce que je suis pas fière, mais j'adore le McDo, quoi. J'adore le cheese dans le papier et les frites du McDo. J'adore ça, quoi. Ben, je peux pas en bouffer. Salut Nora. Salut. Tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais ado ? Je sais pas trop, mais plus jeune, fromagère. En fait, j'ai encore un tout petit peu envie d'être fromagère. Hein. C'est pas totalement parti. Mais bon, non, mais ça se trouve, un jour, je serai fromagère, je sais pas. Pourquoi fromagère ? Parce que, je sais pas, il y avait un truc... Bon, j'aime énormément le fromage. Et puis, je pense que j'ai un espèce de fantasme. Tu sais, je trouve que c'est exactement... Je projetais des choses, je pense, chez les fromagères. À chaque fois que je suis entrée dans une fromagerie, les femmes avaient l'air toujours hyper épanouies. Elles étaient là avec leur gros couteau à couper les fromages. Elles avaient une sorte de puissance et tout, et à gérer leurs petits trucs. Et tout, je trouvais que ça sentait bon. Et donc, je projetais plein de choses. Mais je pense un peu comme quand t'adores une coupe de cheveux et que quand tu crois que tu vas te faire cette coupe de cheveux, tu vas avoir la tête de la personne qui la porte, alors que tu vas toujours avoir ta tête de merde, mais avec la coupe de cheveux de l'autre. Je sais pas si c'est très clair. Si, ça marche. Ouais. Surtout, ça me parle en plus l'exemple des coupes de cheveux, parce que toi, t'en as tenté plein. Ah bon, ouais, un peu. Enfin, moi, en fait, le problème, c'est que je suis très fidèle à mes coupes de cheveux. Ouais. Donc, c'est-à-dire, j'entends et après, je reste très longtemps, mais pas plein. Bah, il y a Rachel dans Friends. Ah ouais. Déjà. Mais tout le monde l'a fait dans les années 90. Beaucoup de femmes, ouais. Ouais, là, le carré dégradé. J'ai eu l'arrêt au milieu, cheveux très raides. Il y avait Victoria Beckham aussi, la coupe, je crois. Ah oui, Posh Spice, le carré arrêt au milieu, fer à lisser, bien sûr, il y a eu ça. Il y a eu un moment où je m'étais un peu dehaînée pour avoir les cheveux légèrement auburn, comme Angela 15 ans dans la série Claire Danes, Angela 15 ans. Donc c'est toujours pour ressembler un peu plus ou moins à des gens, quoi. En fait, ça me fait marrer parce qu'en lisant ton livre, je suis tombé sur plein de références des années 90 que je maîtrise du coup pas nécessairement parce que j'étais trop petit. Et oui. Et notamment, j'ai découvert Sinéad O'Connor. Ah ouais, Sinéad O'Connor, que tu appelles Sinéad avec justesse peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on dit. Moi, je dis Sinéad. Sinéad O'Connor. Bon, je suis beaucoup plus vieille, donc j'ai entendu parler. Moi, je me suis dit, il y a un S, il y a un E, Sinéad. Ah, tu la connaissais pas, ouais. Non, du tout. Et il y a la chanson du coup que j'ai écoutée pour l'interview. Et est-ce que ça t'a déprimé ? Et c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Il y a celle-ci et une chanson aussi de REM qui me fait ça. Mais je sais plus exactement laquelle c'est. Et bizarrement, quand tu repenses à tous ces souvenirs, toutes ces chansons, tu dis que t'es pas spécialement nostalgique de ton adolescence. Je suis un peu entre les deux. En fait, je suis un peu... Parce que j'aime pas être nostalgique, parce que je trouve que de toute façon, c'est vraiment un sentiment... stérile et en plus, je veux dire, de toute façon, on ne peut pas voyager dans le passé, donc ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire qu'à la fois, je trouve que c'est une des pires périodes quand je me souviens, je sais pas, t'es pas libre, t'es pas autonome, t'es un peu gauche, tu ne sais rien à rien, et en même temps, le truc que j'aime bien, c'est que je trouve que tout est hyper intense, quoi. Tout est une question de vie ou de mort, quoi. Tout est... Quoi, par exemple ? L'amour, un regard, le regard d'un garçon, le non-regard d'un garçon, un geste, enfin je sais pas, c'est les premières fois de tout, c'est assez, tout détermine un peu quelque chose quoi. Donc tout était hyper intense et du coup tu te prenais un peu plus la tête. Ouais, donc de toute façon j'étais très prise de tête, mais je le suis toujours, mais dans une manière heureusement différente, parce que grâce aux années, je le suis un peu moins, mais ouais, je l'étais, ouais. Et les cours, ça te prenait la tête un peu au lycée ? Les cours, mon gros problème, c'est que ça ne m'intéressait pas du tout. Et surtout que je ne sais pas à quel point ça ne m'intéressait pas ou à quel point j'ai complexé de ne pas... Moi, j'ai arrêté d'être bonne à l'école en 5e, donc très très tôt. Très très tôt, à 11-12 ans. Quoi. Voilà. Bon, en l'occurrence, j'étais tout le temps nulle, mais par exemple, je fais typiquement partie de ces élèves qui ont eu, tu vois, 4 en philo toute l'année et qui au bac ont 17. Et donc, c'est mieux ça que l'inverse en même temps. Mieux ça que l'inverse, mais c'est un peu agaçant, je pense. Et du coup, tu as fait quoi comme étude ? Et bah, du coup, après, je pensais pas avoir mon bac. Et comme j'ai eu ce 17 en philo, j'ai eu mon bac avec mention parce que j'étais en L. Trop bien. Et donc, c'était super, sauf que j'avais pas du tout prévu l'après. De toute façon, on est beaucoup trop jeune pour savoir ce qu'on veut faire après. Mais donc, bref. Et donc, je m'étais inscrite en droit, qui était un peu genre ce truc qu'on dit, c'est le. J'en peux plus de cette expression, enfin j'en peux plus, on me l'a pas sorti depuis 20 ans, mais je sens que c'était genre ce truc qu'on disait, ça ouvre toutes les portes, t'as toutes les portes de quoi, en plus n'importe quoi, mais bon bref. Donc j'ai tenu 3 semaines, parce que de toute façon ça ne m'intéressait pas, donc j'ai été vendeuse, et puis j'ai fait du théâtre, je faisais le cours Florent, et puis l'année d'après j'ai fait un IUT, parce que je voulais quand même bosser, trouver un métier où je gagnais mieux que vendeuse. Mais je m'ennuyais, et donc là, ma meilleure amie, avec qui j'étais au lycée, et qui, elle, après, est partie aux États-Unis faire une école de cinéma, m'a dit, mais arrête, fais-toi jouer, monte sur scène, fais tes trucs et tout.
Et donc, du coup, là, j'ai commencé à écrire mon premier one-man show. En gros, là, j'étais en journée, je travaillais dans les bureaux. Et le soir, je faisais mon one-man show, mais devant personne. Hein, devant, au mieux, quand j'avais 30 personnes, c'était une folie, quoi. Et vraiment, je jouais plutôt devant 10 en moyenne. Il y avait même, je crois que quand il n'y avait que 5 personnes, tu t'interdisais de jouer. Ouais, on se disait, on annule à combien et tout. Je disais, ouais, 5, c'est chaud quand même. Donc parfois, genre tu jouais... 7, on le faisait, tu vois. 6, on le faisait. Et ça se passait comment devant 6 personnes? C'est horrible. Ouais. Bah, en fait, et c'est là où tu te dis, c'est dingue parce que moi, j'ai décidé de faire ça et là, ça ne marche pas. Et pourtant, j'ai décidé de faire ça. Mais pourtant, c'est ça, je trouve que c'est le meilleur indicateur de à quel point tu as envie de faire un métier ou pas. C'est que pour autant, à aucun moment, je me dis, bon, je vais arrêter. C'est-à-dire qu'à tout, je trouve ça pénible, je trouve ça un peu mignon par moment. Je me dis, bon, bah, je sais pas ce qu'on va faire, quoi. Mais à aucun moment, je me dis que je vais arrêter. Ça veut dire que même un soir où tu rentrais chez toi après avoir joué devant 6 personnes, tu disais pas, je lâche tout. Non. Tu disais quoi ? Je me disais, ça va finir par arriver, il va se passer un truc, il va se passer un truc, il va se passer un truc, sans savoir. Et puis en fait, il se passe rien. Mais je sais pas, je me dis, bah oui, mais je préfère quand même ça à tout, donc. Et puis quand même, tu vois, je te dis, c'est horrible, mais c'est horrible parce que quand t'invites des potes, ou que ta famille vient et qu'ils sont là, c'est horrible parce que t'as peur du regard des autres. C'est ouais. Pas l'expérience qui est horrible. Ce qui est horrible, c'est ce que t'imagines que les autres vont penser de toi. Parce que la réalité, c'est que quand ils sont 5 et qu'ils se marrent, tu fais marrer 5 personnes et t'es content. Et de toute façon, tu dis, c'est toujours mieux que mon open space avec je sais pas qui s'occupe des cartes cadeaux de je sais pas quoi, tu vois. Donc, mais c'est juste que tu te projettes un peu comme une loseuse. Donc tu te dis, si moi je me vois comme ça, les gens ils me voient comme ça. Et puis moi je me souviens, je me disais, mais les gens vont me prendre pour une. Quand le soir je quittais le boulot, je disais, je vais faire mon one man. Tu sais, je me disais, les gens doivent se dire, mais qu'elle est con, elle. Enfin, tu vois, enfin, tu peux pas t'empêcher de te le dire, parce qu'il y a personne, quoi. Et jusqu'au jour où je fais ce truc pour Ruquier, là, on m'appelle. On ne demande qu'à en rire. On ne demande qu'à en rire, je suis en vacances. Je me souviens, c'est à peu près à l'époque de Bref, tout ça. Et je me souviens que je vis leur succès comme un échec personnel, alors que, bon, enfin, à un moment, il va falloir se détendre, ça n'a rien à voir avec moi. Pourquoi tu le vivais comme un échec? Parce que je pense que je vois tous ces gens qui arrivent, et qui ont le courage de faire que ça, et qui vont dans des scènes, et qui bossent tous les soirs. Et moi, je suis toujours là, la sécurité, gna gna gna, mon travail, en espérant qu'un jour, quelqu'un vienne me prendre en disant, cette fille est formidable, et je vais en faire quelqu'un, sauf que personne, tu vois, enfin, je sais pas si ça arrive, moi, en tout cas, ça n'arrive pas. Et donc, du coup, quand l'émission de Laurent Ruquier m'appelle, c'était un été, j'étais avec des potes, et qui me propose de faire l'émission, moi, j'ai, premier réflexe, j'ai pas trop envie, mais je me dis, putain, on s'intéresse enfin à moi. Je suis obligée de prendre des risques parce que c'est pas en continuant à jouer caché qu'il va se passer quoi que ce soit pour moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver dans la salle et qui va dire oh, mon Dieu, quel talent et incroyable. Tu vois, donc je me dis j'y vais parce qu'il faut prendre des risques. Et puis en fait, ça se passe cata. Il y a Jean Benguigui qui te dit un truc assez choquant. Qui me dit que je suis un peu une merde. Enfin, il n'en peut pas ces mots-là, mais il me dit si, presque, franchement, il me dit oui, il me dit que je ne suis pas une comédienne, que je suis une journaliste ou une chroniqueuse, parce qu'il me dit que je ne sais pas porter une robe, que je ne sais pas me tenir, que je joue très mal et qu'il faut que j'arrête ce métier, quoi, en gros. Qu'est-ce que tu ressens quand il te dit ça? Je me souviens que ça monte en moi, mais que je me sens, en fait, déjà, parfois, j'ai revu les images, il y a genre. Je refuse un peu de les revoir. Peut-être qu'aujourd'hui, je me réconcilierai avec ça, mais je sens en fait énormément de colère parce que je sens que moi, j'ai fait l'effort de m'adapter à un truc qui n'est pas moi-même. En fait, j'ai le sentiment que je me suis fait avoir par moi-même, en fait. Ouais. Je sais pas comment dire. Je me dis, je fais l'effort d'entrer dans les codes de ces gens-là pour leur plaire. Et ce qui me revient en pleine gueule, c'est de l'humiliation, en fait. C'est pas que dans cette émission, j'ai l'impression que même dans la vie, plus généralement, quand on essaye de plaire et qu'on fait pas ce qu'on veut et ce qui est intimement lié à nous, bah ça marche jamais en fait. En tout cas, l'idée de se demander ce que les gens veulent de soi, je trouve que c'est compliqué. Parce que même si tu fais croire que t'es quelqu'un d'autre et que ça plaît, bah si tu dois continuer à faire croire que t'es cette autre personne, tu ne seras pas heureux. Donc, Du coup, toi, t'as commencé à écrire ton spectacle et tu parles beaucoup de tes angoisses dedans. Notamment, tu as l'angoisse de l'avion, il me semble. Oui. Mais donc, c'est une vraie peur, l'avion. Si tu montes dans un avion, tu ne seras jamais tranquille. Ça va de mieux en mieux. OK. Mais c'est quand même toujours cata. C'est-à-dire que je sais qu'à chaque fois, il y a des moments où j'ai dû le prendre un tout petit peu plus. Et les gens disent, à force de le prendre, ça va passer. Et franchement, non. À chaque fois que je le reprends, je me rappelle pourquoi je déteste. Je déteste, quoi. Tu détestes parce que tu n'as pas le contrôle. Bah, j'ai pas le contrôle. J'aime pas la sensation. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'aime pas être aussi haut. J'aime pas être aussi loin.
Enfin, je trouve ça pas normal, quoi. J'aime pas l'atterrissage, j'aime pas le décollage, j'aime pas l'odeur. J'aime rien, j'aime pas être comme ça, là, avec tous les gens autour, là. J'aime pas tout ce truc, quoi. J'aime pas qu'on soit... Puis je sais pas, si t'as envie de t'enfuir, tu peux pas, quoi. Et t'as d'autres angoisses, comme l'avion, ou c'est vraiment ta plus forte angoisse et sinon t'es détendue dans la vie? Non, mais je suis hyper hypochondriaque. J'ai peur des maladies, en fait. J'ai plutôt peur des... En fait, tu vois, c'est là où je me dis que je suis un peu angoissée, c'est que genre, je ne peux même pas totalement le dire. Mais je pense qu'en plus, ça a peut-être augmenté avec les réseaux sociaux, Internet et tout, pour deux facteurs qui se touchent. Le premier, c'est que je pense que les ondes, ça nous fait un peu peur. Et deux, tu t'auto-diagnostiques en ligne. Et quand tu t'auto-diagnostiques en ligne, c'est jamais pas grave, quoi. C'est toujours un drame, quoi. Ouais, si tu vas sur Doctissimo... Moi, je me suis fait flipper avec des trucs, quoi. Et le pire, c'est que comme je suis conne, c'est pas juste je flippe et je me tais, quoi. Je dis au médecin, mais pourtant, sur Doctissimo, et là, tu perds son respect. Et là, il n'y a plus personne pour t'écouter, quoi. Parce que même quand le médecin te dit, mais non, c'est tout à fait bénin, toi, tu crois pas nécessairement. Non, mais j'ai pas eu, en plus, par chance, la fille va retoucher du bois toutes les deux secondes. J'ai pas eu des trucs qui étaient soit bénins, soit malins. J'ai rien. Mais c'est juste que, par exemple, moi, tu sais, quand sur les analyses de sang, quand t'es un peu élevé, c'est en gras, tu sais. C'est en gras à côté. Et ça me fait hyper flipper. Et après, du coup, tu cherches ce truc-là où tu ne savais même pas ce que c'est, vitesse de sédimentation sur Google, CRP et tout. Et là, tu lis élevé. Et là, les mots-clés qui arrivent après, ils sont affreux, quoi. Et ces gens-là qui souffrent d'hypochondrie, j'ai cru lire aussi qu'il fallait en parler, notamment voir un psy. Et toi, dans ton livre, tu dis que t'en consultais régulièrement. Ouais. Un seul, ouais. C'est quelqu'un qui a pu t'aider ou pas trop, au final? Si, je pense. Mais c'est difficile à dire parce que... Et après, franchement, on m'a un peu imposé d'aller voir un psy hein, quand j'étais jeune. Donc franchement, quand t'as toute une famille qui dit « tu devrais aller voir le psy, tu devrais aller voir le psy, tu devrais aller voir le psy », à un moment, ça te donne toutes les raisons de voir un psy, quoi. C'est que déjà, ta famille n'est pas supposée te dire ça si tu veux avoir une bonne estime de toi-même. Je vous embrasse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, moi, je trouve ça toujours aussi un luxe, pas pour tout le monde, mais en tout cas, en ce qui me concerne, en fait, je sais, mais, tu vois, tu... Enfin, c'est à la fois un luxe et à la fois, mais pourquoi? Enfin, c'est quand même pas normal. C'est comme si moi, je te ferais un bouquin de développement personnel avec écrit « Non, je ne suis pas une merde ». T'es là, bah, moi, j'ai jamais cru que j'étais une merde, en fait, tu vois. C'est comme si on te persuadait de ça, au final. Bah, oui. Après, bon, peut-être que c'était bien un moment de ma vie que je vois quelqu'un, sauf que quand j'ai vu ce psy, je pensais que ça allait durer un an et que je me suis retrouvée à le voir genre 15 ans, quoi. Mais... Et tu dis que ce qui t'a aidé dans ta thérapie, c'est de te rendre compte que t'avais pas besoin d'un psy, mais surtout d'un voyant. Oui, alors ça, c'est quand j'utilise ce que je vis pour raconter n'importe quoi, pour me faire rire, mais c'est un peu vrai, il y a du vrai là-dedans, mais c'est quand j'arrive à dédramatiser les situations et que j'en suis un peu guérie. Mais c'est qu'en effet, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte, enfin, c'est même pas ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment, je me rendais compte que le seul truc que je voulais que mon psy me dise, c'est vous allez très bien, vous allez vivre jusqu'à 150 ans et tous les gens que vous aimez aussi. C'est ce qu'il ne peut pas me dire ça. Donc en fait, lui, ce qu'il faut qu'il traite, c'est que moi, j'ai besoin qu'on me dise ça. Et qu'au bout d'un moment, et c'est le même truc sur l'avion. Tu vois, j'étais là, vous ne pouvez pas me dire que c'est sûr. Alors il est là, non, mais c'est fort probable. T'es là, bah oui, mais c'est pas sûr. Et donc en fait, ce qu'il faut que tu traites, c'est le problème de pourquoi t'as besoin d'être sûr de tout, quoi. Mais ça, tu le sais toujours pas. Non, mais je pense que c'est un peu aussi comme la peur de l'avion aussi pour certaines personnes, c'est qu'à un moment, t'es là, en fait, je me fatigue, donc on va passer à autre chose. Donc c'est pas, en fait, je sais pas, mais je gère mieux tout ça. C'est le fait de grandir aussi, de devenir adulte, qui fait qu'on va de mieux en mieux, qu'on s'accepte de plus en plus. Je pense névroses. Que c'est le fait de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ouais, d'avoir une certaine cohérence, en tout cas dans sa vie, tu vois, de savoir pourquoi on fait certains choix plutôt que d'autres. Moi, je pense que ce qui est problématique, c'est quand tu crois qu'il y a une vérité et quand tu cherches des réponses et que tout est flou, quoi. Et tu crois qu'il y a une vérité, tu crois qu'il y a une bonne manière de faire, tu crois qu'il y a une bonne voie, tu crois qu'il y a une bonne manière de te conduire, tu crois qu'il y a une bonne manière de t'adresser aux gens, une bonne manière de leur faire rire, une bonne manière d'être mère, une bonne manière... Et je pense qu'une fois que tu comprends qu'en fait, tu as ta manière et que c'est OK d'avoir ta manière, ça va mieux. Même dans ton spectacle, tu dis que le couple change, ta manière de boire change... Ah, avec l'âge ? Avec l'âge, ouais. La prise d'âge, en fait, c'est quelque chose que tu remarques ou pas plus que ça ? Bah si, parce que t'es beaucoup plus conscient, mais après, ça, c'est ton corps qui te le rend conscient. Moi, par exemple, bon, je suis désolée de le dire parce que je suis pas fière, mais j'adore le McDo, quoi. J'adore le cheese dans le papier. Mais je pense qu'il serait pas dans du papier, je l'aimerais moins. Mais le petit cheese dans le papier, là... Et les frites du McDo, j'adore ça, quoi. Bah, je peux pas en bouffer.
Tu peux plus manger de McDo. Bah non, ça me rend malade, quoi. Et je trouve ça terrible. Mais en même temps, je me dis, bon, bah, ça me rend malade, c'est bien que c'est de la merde. Donc, mais parce que t'es hypochondriaque ou non, non, ça te rend vraiment malade. Non, ça me rend. Ok. Après, tu vois à quel point ça peut. Non, ça me... J'ai essayé, écoute, j'ai essayé 3 fois de suite, hein, donc j'ai insisté. Hein. Et ça me fait le même truc à chaque fois, ça me rend hyper malade. Ça me fait hyper mal au bide. C'est terrible. Ouais. T'as aussi des manières de consommer. En effet, tu vas plus boire la même piquette qu'à 17 ans. Mais un, parce que tu gagnes un peu plus ta vie, donc bon, c'est quand même sympa. Voilà. Et deux, parce que de toute façon, ça va te faire mal à la tête. Et aussi parce qu'on est plus responsable dans sa consommation en général. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus envie de m'acheter plein de merde chez Zara et chez H&M et de surconsommer. Bon, et puis surtout, enfin, mais là, je rentre dans un autre sujet, mais je me dis, mais moi, quand je repense à notre enfance, mais la consommation, c'était n'importe quoi, quoi. Moi, je me souviens, enfin, tu vois, ma mère qui avait une confiance absolue, mais ça se trouve, elle l'a encore, hein, au truc industriel, quoi. Si c'est vendu chez Prisu, c'est que c'est bon, tu vois. Si ils te le vendent, c'est que c'est bien, quoi. Et justement, tu me parles de ta maman. Est-ce que le fait d'être devenue mère à ton tour, tu dirais que ça a changé quelque chose dans vos relations ? Avec ma mère ? Ouais. Ouais, ça a empiré. oui, ça change... Oui, ça change, mais d'ailleurs, tu vois, c'est marrant, parce que c'est ce que tu disais sur le truc du rapport à ce que c'est qu'être adulte. Et là, c'est un des points sur lesquels je me disais, putain, je ne suis toujours pas adulte, quoi. Je ne suis toujours pas en âge de ne pas être irritée par ma mère, quoi. Et je me dis, est-ce que ce truc-là passe jamais ? Est-ce que tes mères t'agacent toute ta vie ? Ou est-ce qu'il y a un âge où tout à coup, t'es là, genre, oh, bon, c'est ma maman chérie, et t'es grand, et je suis adulte, donc je n'ai plus l'âge de... Alors évidemment, je claque plus des portes, j'ai plus 15 ans et tout, mais je me dis... Non, mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose, pour être totalement honnête. Toi, tu as cette phrase assez forte dans ton livre où tu dis « Dans les yeux de ma mère, je me voyais grosse, nue et ruinée ». Ouais. Ça veut dire quoi, ça ? Bah, ça veut dire que tes parents, ils peuvent projeter des trucs sur toi et que... Bon, après, je dis pas forcément que c'est la réalité, que c'est comme ça que je me voyais, mais que l'attente de tes parents, la pression de ce qu'ils font, de ce qu'ils vont raconter de toi... Tu ne deviens pas juste un enfant, c'est comme si tu devenais un truc social, un indicateur social de ce qu'ils vont raconter. Tu sais, cette espèce de truc de « qu'est-ce que je vais dire à mes amis ?» Tu es là-bas, tu sais, tu vas leur dire ce que tu veux, en fait, c'est pas mon problème, tu vois. Mais tu sais, cette espèce de truc de genre « tu as minci, tu as grossi, tu es sûr que tu vas manger, tu vas te resservir, tu sais pas quoi ?» Enfin, une espèce de contrôle où tu es là, mais en fait, je ne suis... Et c'est important, je trouve, de se détacher de ce qu'en tout cas, soit ce que tes parents attendent de toi, soit ce dont tu penses qu'ils attendent de toi. Il y a un moment où juste tu es ta propre personne, quoi, donc... Toi, tu avais l'impression qu'elle attendait des choses différentes de ce que toi, t'attendais ? Bon, en tout cas, on va dire qu'on n'avait pas les mêmes priorités, quoi. Et que moi, mon curseur de savoir... je ne sais pas vraiment comment dire ça, mais c'est-à-dire que ma mère et elle m'a sans doute transmis l'anxiété, mais elle est assez anxieuse, donc c'est-à-dire que... Le bon, c'est qu'elle m'a sans doute donné une conscience très forte de « il faut que je me débrouille, je veux être indépendante financièrement, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je fais pas. » Et en même temps, elle n'a pas de notion pour moi de plaisir. Elle ne sait pas ce que c'est et elle ne sait pas ce que tu peux gagner à choisir le plaisir plutôt que ce qu'elle appelle la sécurité. Et que parfois la sécurité mène à des choses qui peuvent te rendre triste en fait. Donc, et donc, je pense qu'elle n'a pas cette notion-là. Je pense qu'elle n'a pas une notion de plaisir. Et elle ne se rend pas compte que le plaisir peut mener à... Mais c'est peut-être soit un truc de parent basique, soit de mère qui n'a pas fait d'études et qui croit qu'il y a des schémas tout faits et que c'est sans doute le chemin de la sécurité. C'est sans doute ce que la plupart des parents veulent, veulent pour leurs enfants à un moment donné. Mais je pense que c'est hyper important d'écouter les désirs d'un enfant et de ce qui l'épanouit, parce que c'est ça qui lui apporte de la confiance aussi. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, j'ai l'impression d'être en Montessori, je sais pas ce que je dis en fait. Non, non, au contraire, moi je trouve ça intéressant ce truc-là qu'on retrouve chez nos parents. Ils veulent qu'on soit dans une forme de sécurité, mais parfois ils oublient cette notion de ben, en fait, je veux juste être épanoui et heureux, quoi. Bah oui, et puis, et sans doute que. Et puis surtout de faire confiance, tu vois, tu peux vouloir être heureux sans être inconscient, quoi. Tu peux très bien savoir ce que c'est que le sens du devoir, du travail, tout en. Choisissant le bonheur, mais c'est comme s'il y avait un espèce de truc comme ça, où si t'en chies pas, c'est qu'a priori, tu vois, si c'est un peu facile ou si c'est du plaisir, c'est qu'a priori c'est moins bien, je sais pas. Quand tu lui expliquais, elle comprenait ou pas forcément ? En fait, si tu veux, elle comprenait, moi elle m'a toujours dit, tu vois, par exemple, le théâtre, moi elle m'a dit, bah, tu fais ce que tu veux, mais moi je pourrais pas t'aider financièrement, donc si tu veux être comédienne et que tu veux vivre à la maison longtemps, mais ça c'était un piège parce qu'elle savait très bien que j'avais envie de me barrer vite, donc.
Mais en même temps, elle avait raison de me le dire. C'est genre, si tu veux faire ce métier-là, bah, faut que tu saches qu'il faut aussi que tu gagnes ta vie à toi comme tu veux. Après, je pense que, comme toutes les mères, la notion... Enfin, non, j'en sais rien, c'est comme toutes les mères, en fait. Mais disons qu'en tout cas, sur le one-man show, par exemple, je pense que la fierté, c'est peut-être normal, hein, j'en sais rien. Moi, d'ailleurs, j'en sais rien, j'ai pas la réponse à ça. Mais sa fierté est venue avec le succès. Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, elle a commencé à être fière au moment où elle a vu les colonnes Maurice et tout. Tu vois, comme si je recevais un prix ou quelque chose, je disais, mais les colonnes Maurice, c'est quelqu'un qui paye, hein. Tu vois, c'est pas la ville qui a décidé de me mettre en avant parce qu'il me trouve formidable, tu vois. C'est quelqu'un qui paye parce qu'il veut acheter. Elle me dit, ah oui, mais si quelqu'un paye, c'est bien que t'es intéressante. T'es là, bah, dans tout ce que tu consommes, il y a plein de choses pas intéressantes. Enfin, dans tout ce que tu consommes ou dans tout ce qui se vend, il y a plein de choses pas intéressantes. Ça veut dire qu'elle attendait une sorte de validation des colonnes Maurice. Je pense, de se dire, il y a des gens qui s'intéressent à elle, c'est les autres qui ont raison. Mais ça, c'est les mêmes failles, tu vois, c'est les mêmes failles que moi, c'est des trucs enfants, je pense, où je te dis, je regarde forcément la copie d'à côté en me disant qu'il sait mieux que moi. Et donc, elle, je pense qu'au lieu peut-être parfois de se faire son propre avis, peut-être attendait, oui, une validation. Après, je peux comprendre, hein, franchement, en tant que parent, t'es plus content pour ton enfant qui vive de son métier plutôt qu'il joue dans une salle de 10 au bout, à Pigalle. Hein. Donc, tu vois, il y a un truc qui est complètement cohérent là-dedans. Et aujourd'hui, elle est très, très fière et tout. Enfin, de toute façon, tout va très bien. Mais c'est vrai que c'est un truc, je pense, pour les parents qui est un peu compliqué de se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup? Et il y a quelque chose qui doit te rendre super fier en ce moment, c'est cette possible nomination au César. Ouais, c'est drôle. Mais hier, t'as mis une story où t'as annoncé... Je veux que tu me parles de ça parce que t'as annoncé les prénominations et les gens, ils ont... En fait, tu sais, les distributeurs, ils te font... Donc en fait, il y a eu les 16 révélations, ou 17 ou 18, je sais pas combien on est, 17 filles, 17 garçons, je crois, prénommés grâce au directeur de casting, de journalistes ciné, d'acteurs, voilà. Et c'est à ce comité où ils en choisissent. Donc j'étais très, très heureuse de faire parmi les 16 ou 17, je sais plus, filles. Et donc du coup, je l'ai posté parce que les distributeurs m'ont dit, bah voici le visuel, si tu veux l'utiliser pour dire que t'es prénommée dans cette catégorie. Et là, c'était parti, et des bravos, mais c'est génial, mais c'est... Alors que bravo, oui, hein, mais bravo, c'était il y a 2 mois, on le sait, il n'y a rien qui a changé, je ne suis pas dans les 5. Et les gens étaient là, ça y est, t'es dans les 5, bravo, nanana. Et donc, c'est hyper chiant de devoir dire, non, je ne suis pas. Bah, d'ici là, quand l'interview sera diffusée, on saura déjà si t'es dans les 5. Bon, bah écoute. Donc, on croise les doigts. Bah oui, on peut faire que ça, de toute façon. Donc, on peut croiser du bois. Croiser les doigts et toucher du bois et... Et puis bon, voilà. Mais après, ce qui est cool, c'est que dans tous les cas, c'est cool. Après, c'est encore plus cool si t'es nommé. Et si t'es pas nommé, tu fais ce que je disais dans ma story. Tu fais une soirée pizza avec des potes, tu commentes la soirée, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. C'est très joyeux, ça va très bien. Merci beaucoup, Nora. Ben, merci à toi. C'était vraiment cool. Est-ce que tu aurais un invité à me conseiller dans Moonwalk pour le prochain numéro? Ah, quelle bonne idée. Alors, attends que je réfléchisse. Ah, putain, ça va être long encore. Enfin, j'ai pas d'autres questions, le truc infinie. Je te laisse réfléchir. Bah, Afia Arzi. Ok. Voilà, parce que j'ai adoré son film et que je lui souhaite... de toute façon, elle sera nommée dans les meilleurs premiers films et je lui souhaite d'avoir le César du meilleur premier film. Voilà, je la trouve super. Avec grand plaisir, ouais. Ça marche. Ah, merci à vous. C'était donc le Moonwalk de Nora Hamzaoui. N'hésitez pas à vous abonner. Merci au Biche aussi qui nous a accueillis. A plus.